Des stories de Marc-Antoine Lebray tous les jours. Justement, il y a des stars qui viennent rencontrer notre invité. Et aujourd'hui, Benabar, c'est Thierry Beccaro qui voudrait vous dire un mot. Ah, bonjour Benabar. Bah, j'ai écouté votre duo avec Renaud, chez les Corses. Je pensais découvrir une chanson sur la charcuterie ou la joie de rouler dans une voiture immatriculée 2B pour faire croire qu'on est un dingue. Et puis j'ai découvert les paroles. À vrai dire, moi, ça va pas trop. Je déprime, je vois tout en noir. Plus très loin du bout du rouleau. C'est vrai, c'est les vraies paroles. Bah, j'ai qu'un mot à dire, Benabar, en quatre lettres. Joie. R-O-R-T. Bah voilà. Des carreaux. Motus, une de vos récentes déclarations a fait réagir David Guetta. Ouais, Benabar, t'as déclaré que t'avais pris des cours pour deux chants parce que tu trouvais que tu chantais mal. Bah moi, j'ai pris des cours de piano. Et en m'écoutant jouer, mon prof n'arrêtait pas de lever les bras au ciel, quoi. Hé, les bras en l'air ! C'est de là qu'est venue ma vocation de DJ. Ouais. Philippe Devilliers est là pour vous proposer quelque chose, Benabar. Ouais, bien le bonjour à l'équipe, ainsi qu'à tous les manants et les gueux qui nous écoutent. J'aime beaucoup Benabar, même si c'est un nom de sarrasin. Vous avez tourné chez moi au Puy du Fou, les stars voyagent dans le temps. Eh bien, j'aimerais repartir dans le passé avec vous pour revivre les victoires de la musique que vous avez gagnées. Bonjour, c'est Michel Drucker. Bienvenue aux victoires de la musique 2003. 2003, l'année de la canicule où Vivement Dimanche a perdu 80% de son audimat. 2003, l'année où je fête mes 80 ans de carrière. 2003, l'année où Daniel Gilbert... Bonjour, bonjour, c'est Nagui. Désolé, Michel, faut abréger. C'est en 2004 que Benabar a gagné les victoires, ainsi qu'en 2007. On présentait ensemble, Michel, essayez de vous souvenir. Non, j'ai rien dit, laissez tomber. Et ce qui est génial, c'est que comme en 2007, Benabar soutenait Ségolène Royal, et bien les victoires de la musique lui ont permis de gagner au moins quelque chose cette année-là. Allez, ciao, ciao, ciao. Merci Marc-Antoine Lebray, à demain.